Hamsa est un petit village de 10 000 habitants qui se situe sur la Méditerranée dans la commune de Zawiyat Sidi Qassem, après la ville de Tétouan. Sa superficie est d'environ 13 000 hectares, composée d'une magnifique diversité biologique, puisqu'il est un des rares villages sur le littoral où la côte est préservée de tout aménagement routier ou autre plan d'urbanisme. Ceci a permis à Hamsa de préserver sa richesse en biodiversité jusqu'à aujourd'hui. Ce paysage est exceptionnel. C'est la campagne qui se déverse dans la mer ou vice-versa, créant ainsi une zone humide inconstructible composée d'un patrimoine naturel riche où on peut voir des montagnes, des rivières, des forêts, de la mer et des diverses espèces animaux. La plage de Hamsa est bien connue au nord du Maroc. Elle est propre et bien aménagée, tout en gardant l'air et le goût naturel de la zone. Cela a permis aux plages de Hamsa d'être une destination de plusieurs touristes nationaux et internationaux. La commune contient une maison d'hôtes, un camping et plusieurs maisons à location, permettant ainsi de promouvoir le tourisme rural et le développement local. La population locale de Zawiyat Sidi Qassem est composée en majorité des jeunes actifs pratiquant la pêche et l'agriculture.
La meilleure période pour explorer cette région est pendant le printemps, où la nature est dans un état florissant et très attirante, créant ainsi un espace naturel plein de vues panoramiques et des espèces animaux divers. Alors que pendant l'été, la plage sera une excellente destination pour séjourner et relaxer dans un climat chaud et calme. Je vous invite à visiter cette magnifique région et d'explorer sa biodiversité. Finalement, je vous remercie d'avoir suivi ce vidéo et je vous laisse avec des scènes prises pendant une randonnée dans la superbe nature de Zawiyat Sidi Qassem.